Revoucou les béliers, la caméra s'est arrêtée d'un seul coup net. Je pense que je n'avais plus assez d'espace sur l'ordinateur, je suis désolée. On finit, de toute façon on avait quasiment terminé, donc pour ceux que ça intéresse d'aller jusqu'au bout, j'étais en train de vous parler de l'engagement, donc je vais vous remettre le tirage, hein, je rebaisse la caméra. Hop, alors du coup j'étais en train de vous parler de l'engagement, en train de vous dire que la relation pouvait passer à un niveau supérieur d'engagement. Comme il y a beaucoup de sentiments romantiques, d'attraction, etc., que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose, hein, ici, c'est votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça peut être des fiançailles, hein, des choses dans le genre, hein, comme ça pour vous, hein, où il y a un engagement officiel, sérieux, hein, de toute façon, voilà, ça semble quand même assez sérieux comme relation, hein, donc vous verrez comment ça se passe, puis on prend le dernier message avec les anges, l'oracle des anges gardiens pour votre vie amoureuse, hein, et sentimentale. Pour finir quand même la guidance, j'allais pas vous laisser comme ça, hein, donc même si cette petite vidéo ne fait que 3 minutes, elle me permet de finir la guidance et de vous saluer, de vous remercier et puis de vous dire au revoir et à bientôt. Donc les béliers, un message pour leur vie amoureuse sentimentale ici. Alors, on a un encouragement. D'accord. On a eu un encouragement, c'est intéressant. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà, magnifique encouragement. Comme vous êtes dans cette source ici, on vous encourage à continuer à diffuser, à donner, à donner. Voilà, ça y est, cette fois on a fini. Donc, alors, il y a des choses qui résonnent pas mal aussi avec votre guidance générale, donc vous pouvez aller jeter un œil. Sinon, vous allez voir aussi votre signe ascendant, peut-être ça résonnera davantage. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben voilà, les amis, voilà, on a fait le tour ici, ça y est. Hein, donc, c'était simplement pour vous finir la guidance et vous saluer, vous dire au revoir. Portez-vous bien, amis béliers, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le début de ce mois d'août. Et puis, je vous dis à très bientôt. Grosse bise. Ciao, bye.